Bonjour à tous. Alors, il me paraissait vraiment impossible pour moi de traiter du sujet de la spiritualité, de la religion, aussi bien ésotérique qu'exotique, sans arriver sur le sujet des dérives sectaires. Alors, le sujet des dérives sectaires, c'est. On va commencer déjà par la psychiatrie générale. Les archives qu'ils ont sur les dérives sectaires. Il y a différents types de sectes. Il y a des sectes populaires, il y a des sectes plus médiatiques, il y a des sectes qui se présentent comme plus ésotériques, d'autres qui utilisent la religion, d'autres enfin, dans tous les cas, on est sûr, parce que bon, moi par exemple, je prends l'exemple d'un témoignage que j'ai reçu d'une jeune fille qui était dans une famille catholique, qui fréquentait un ensemble scolaire que je connais, parce que je l'ai fréquenté. C'est un ensemble scolaire privé catholique. Alors, moi, je l'ai fréquenté pendant le collège, donc le catéchisme est obligatoire, on nous expliquait bien, on nous met en garde contre ce genre de choses. Et arrivé au lycée, le catéchisme, c'est trop ça. Disons que. Les gens ont déjà eu l'habitude depuis longtemps de leur communion professionnelle. Et donc, elle a rencontré une fille qui était témoin de Jéhovah. Donc, elle a connu vite sa mère. Et elle m'assurait que son état de conscience dans lequel elle était n'était pas normal parce qu'elle lui donnait des médicaments. Alors, c'était son témoignage. Et elle a vraiment ouvert les yeux le jour où sa mère lui a dit, mais réveille-toi, tu es manipulée. Alors la manipulation mentale, les spécialistes disent que même une publicité, ça peut être de la manipulation mentale. On a tous déjà été confrontés à la manipulation mentale, que ce soit par la publicité, par la politique, par les médias. Peu importe, on a tous été victimes du moins de ça. Bon, ça c'est un fait, seulement, ça ne justifie pas les dérives sectaires, c'est un fait. Mais de là à arriver au point où vous vendez une maison pour donner de l'argent à une secte qui vous promet que si vous ne le faites pas, vous serez maudit, là on peut parler de dérives sectaires. Parce que, alors, l'étymologie du mot secte, ça vient du latin sectare, qui veut dire couper, sectionner en français, on dit couper quoi. Parce que vous coupez les autres d'une certaine manière, vous êtes coupé d'eux. Parce que je connais des gens dans des sectes, j'en côtoie. J'en côtoie des témoins de Jéhovah, d'autres peut-être encore. Et ils vous mentent pour cacher ce qu'ils font dans leur confrérie, leur secte, leur groupe obscur, occulte, souvent. Alors, je vais expliquer un petit peu plus vite en profondeur. Quelqu'un qui ne vous dit pas la vérité sur ses problèmes, les solutions qu'il envisage à ses problèmes, qui vous raconte la moitié fausse en plus, déformée, des semi-vérités, c'est-à-dire il vous dit une partie de la vérité, mais il rajoute un élément faux, et que vous ne voyez que du feu. À la fin, vous ne pouvez pas les aider, ces gens-là, vous ne pouvez rien faire pour eux. Même si vous avez une volonté de fou, vous savez on parle des dérives sectaires, voilà, sectaires. Alors, les connaissances d'aucune, parce que les gens, il y a des sectes classiques, et c'est grave, une secte classique, c'est-à-dire que c'est une secte banalisée. J'ai pris l'exemple du témoin de Jéhovah, mais il y a d'autres sectes hein, classiques. C'est grave parce qu'elles sont banalisées que vous en rencontrez, vous en côtoyez forcément.
Ils se connaissent tous et peuvent en gros faire beaucoup plus de choses que seuls. Alors les attaques judiciaires des gens qui ont recours aux plaintes au niveau tribunal, le problème c'est que maintenant, ils ont d'avocats, de magistrats, ce sont des vrais faits. C'est une sorte de mafia en quelque sorte, dans laquelle les gens se mettent tout seuls, pour dire ce qu'ils ont le choix. Pas obligés. Personne ne le force. C'est eux qui font le choix de faire la démarche. Faites jamais ça. Je vous conseille, alors moi je suis mormon. Ils ne figureront pas sur la liste des sept. Aux États-Unis, c'est différent. Un bon exemple, puisque l'Église de la Scientologie n'est pas considérée comme ça. Donc, ce n'est pas un bon exemple. De la gestion du système. Alors, sur le quinquennat Sarkozy, on interdisait tout ce qui était magie noire, satanisme, tout ce qui était underground, de New Age. On essaie de censurer un peu, mais je pense pas que c'est le problème vient de là, que les sectes ont des connaissances aussi scientifiques. Évidemment. La manipulation mentale, ça s'apprend, ça s'apprend. On apprend à manipuler. Alors, ils ne vous l'apprennent pas, mais eux, ils savent le faire. Et du coup, voilà ce que je peux dire sur les sectes. Faites attention à vous. Les connaissances de culte aussi sont utilisées par les sectes, notamment les démons d'Elzébuth, souvent responsables de la confusion qui s'est née chez les gens. On les met derrière beaucoup de sectes. Un autre démon, Abaddon, qui est celui qui fait de vous un prophète, un dieu, un gourou. Il y a le démon Lucifer aussi. Ça des théories qui annoncent des cataclysmes, des catastrophes naturelles, des séismes, qui met les gens dans l'isolement, séparés, devenus plutôt isolés. Voilà pour les connaissances d'occultes, et je vous assure qu'elles sont utiles. Et donc, faire très attention à vous, ne faites pas confiance à n'importe qui vous parle de foi. Parlez de foi avec des gens de confiance, des gens qui ont prouvé leur bonne foi. Et je vous laisse ce témoignage en Jésus.